Merci beaucoup. Ok, je pense que vous me captez maintenant 5 sur 5. Que le Dieu très haut vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci, 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 merci. Allez, si vous êtes là avec moi, veuillez me le rassurer. Ok, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. On va voir si on pourra retrouver, n'est-ce pas, notre image. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. On me laisse entendre qu'il y a encore un petit souci des connexions. Non, ça va cette fois-ci. Merci beaucoup. Donc, vous me captez 5 sur 5. Merci de liker. Merci de me rassurer que vous me captez. Et je vous prie maintenant de partager. Partager massivement. Permettez à un frère, à une sœur d'être branché, scotché. Parce que vous lui avez envoyé les liens. Donc, vous pouvez juste cliquer sur les liens en partageant. Partager, partager, partager. Dans les groupes auxquels vous êtes abonné. Partager dans différents groupes, je disais. Partager sur votre propre journal, c'est-à-dire votre mur. Partager également sur Messenger. Donc, vous envoyez le message à quelqu'un pour lui dire que l'homme de Dieu est déjà là pour la suite des programmes. Il fait énormément chaud chez nous ici-là. Voilà pourquoi, de temps à autre, vous allez nous voir nous essuyer le visage. Allez, que Dieu vous bénisse pour votre bonne compréhension. Et je vous prie, mes frères et sœurs, de bien vouloir multiplier vraiment le partage. Invitez quelqu'un, dites-lui que l'homme de Dieu est déjà là pour nous édifier. Et vous voyez que l'intitulé de l'émission, c'est les actes du pasteur Kalala. Ici, ce n'est pas seulement question de prière, mais c'est également question de partage de la parole de Dieu, d'exhortation, d'enseignement, mais aussi, bien aimé Seigneur, d'édification en termes de la connaissance biblique. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mais n'oubliez pas qu'on a également suffisamment de temps pour la prière. Donc, merci à vous tous qui êtes en train de partager en ce net moment. Je ne sais pas d'où vous me suivez comme ça. Vous me suivez depuis l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, pourquoi pas l'Amérique. Si vous êtes là, rassurez-moi en me saluant, mais également en commentant pour me laisser savoir, pour me faire savoir qu'effectivement, on est ensemble. Merci à vous. Allez, je salue tous ceux qui me suivent régulièrement depuis l'ICASI. Hein, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour. Là, on est en pleine République démocratique du Congo. Et je salue tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Lubumbashi. Vous êtes de l'autre côté de Goma. Vous qui me suivez depuis Bukavu, merci de me les faire savoir. Merci à vous qui me suivez depuis Matadi, Boma et puis Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Je salue ceux qui sont de l'autre côté de Libreville au Gabon et pourquoi pas Port-Gentil. Recevez mes chaleureuses salutations en Christ Jésus. Vous qui m'écrivez, qui m'appelez souvent depuis la République démocratique et République du Congo-Brazza. Vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes à Brazzaville, plateau de Kinzan et Batignolles. Que Dieu vous bénisse richement. Merci pour vos encouragements. Je bénis tous ceux qui nous suivent depuis Luanda en Angola. Vous êtes en Afrique du Sud, Johannesburg, Cape Town, Durban. Hein? J'aime bien la ville, bien que je me suis limité juste au niveau de l'aéroport. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. C'était pendant l'escale. J'aime bien votre ville, elle est bien construite. Je bénis tous ceux qui nous suivent depuis la France, la Belgique. Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Angleterre, vous êtes encore où là-bas? Vous êtes ici à côté, à Ottawa, vous êtes où? Au Québec, plus précisément. Vous qui êtes aussi à Montréal, toujours au Canada, je vous bénis et je bénis tous ceux qui sont aux unions, à l'union, c'est-à-dire l'union, on appelle seulement le Royaume-Uni, oui, donc l'Angleterre, je vous salue tous ceux qui sont à Londres, etc. Sans oublier les USA, les États-Unis d'Amérique, recevez donc mes chaleureuses salutations au nom puissant de Jésus. Je salue ceux qui me suivent depuis la Chine, je ne vous ai pas oublié. Merci beaucoup. Vous dites que pasteur, vous nous oubliez souvent. Je ne vous ai pas oublié. Vous êtes au Brésil, vous êtes aux Pays-Bas. Hein, là, je salue mon frère Kondi. Que Dieu vous bénisse. Hein, l'homme de la continuité comme son papa, pasteur Kalala. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Donc, c'est dans cette ambiance qu'on va commencer notre émission. Mais j'aimerais que vous puissiez multiplier les partages, que vous invitiez ceux qui vous sont chers. Dites-leur que nous sommes là pour vraiment des moments d'édification. Allez, partagez. Vous qui êtes sur YouTube. Vous qui allez suivre sur YouTube, c'est là. Je vous prie également de cliquer sur la vidéo et puis de partager sur WhatsApp. Envoyez les liens à quelqu'un. Envoyez les liens à un frère, à une soeur sur WhatsApp. C'est-à-dire, vous partagez également dans les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonné. Et ça sera une très bonne chose. Le Seigneur sera très fier de vous parce qu'il nous recommande tous, à nous, ses disciples du moins, de bien vouloir prêcher la bonne nouvelle partout jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, merci, merci beaucoup. Allez,
Donc, je pense que vous qui êtes sur Facebook, vous partagez sur votre journal et puis vous partagez dans les différents groupes auxquels vous êtes abonnés. Soyez bénis les papas, les mamans. Que Dieu vous bénisse. Allez, rapidement, nous allons passer à l'adoration. On va élever le Seigneur, on va lui dire merci. On va se recueillir un peu de la prière et puis on va passer directement à la parole de Dieu. C'est une émission beaucoup plus basée sur la parole du Seigneur. Voyez, le thème, il est intitulé « La Bible a-t-elle changé ?» Ou bien, ce sont plutôt les prédicateurs. Ok. Donc, c'est très important. On va parler sur certains points qui troublent un peu, n'est-ce pas, le chef des fils et les filles de Dieu. Beaucoup nous appellent pour ça. Beaucoup nous posent des questions. Et d'autres également s'interrogent. Alors, aujourd'hui, on va devoir parler sur certains points, des petits changements, des petites modifications, n'est-ce pas, en termes d'interprétation, de compréhension et même également de prédication. Est-ce que, pourquoi dans les anciens temps, ce n'était pas comme ça, mais la parole de Dieu, on l'a prêché auparavant autrement, mais aujourd'hui, c'est comme si les prédicateurs changent. Est-ce que qui est en train de tordre l'essence des Écritures? Je pense qu'on va devoir parler de ça cet après-midi et ça va devoir édifier quelqu'un. Alors, s'il vous plaît, partagez. Peut-être que ce sont des questions que vous êtes également posées, mais vous n'avez pas eu le courage de poser à votre pasteur ni à un frère à l'église. Mais ça vous dérange des fois, ça vous trouble et vous avez des qu'est-ce que c'est dans votre tête. On va prier, on va dire à Dieu merci pour ce moment merveilleux, merci pour cette émission d'édification du corps de Christ, merci pour ce moment qu'il met à notre disposition. Élevons nos voix et prions, remercions le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Nous rapprochons ainsi, Seigneur, te demandant une chose. Éternel notre Dieu, reçois la gloire, la louange et l'honneur émanant de la profondeur de nos cœurs. Nous te bénissons, le roi des rois, nous t'exaltons, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu pour ce moment précieux, béni sois-tu pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous aimes et tu nous as encore rassemblés pour la parole, mais également pour la prière. Je bénis ma sœur et mon frère, je bénis les bien-aimés qui sont branchés, scotchés. Je bénis également ceux qui vont devoir nous rejoindre par la suite. Je recommande tous ceux qui vont nous suivre sur Facebook, tout comme sur YouTube. Je bénis tes enfants et je te recommande nos cœurs entre tes mains. Nous aimerions être édifiés, enseignés. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse richement. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Allez, merci à vous tous qui êtes là, branchés, scotchés. Je vous prie encore une fois de plus, vous qui venez de nous rejoindre, d'être actifs pendant le live, de commenter pour nous rassurer qu'effectivement vous êtes ensemble avec nous. Mais aussi, je vous prie de partager de temps à autre pendant que nous évoluons avec notre enseignement. Bien-aimés, avant toute chose, j'aimerais vous dire à quelqu'un que la parole de Dieu n'a point du tout changé et elle ne changera jamais. Et quand nous parlons de la parole de Dieu ici, nous l'identifions à la Bible qui constitue les livres par excellence que nous appelons donc par la parole de Dieu. Parole de Dieu ne peut pas changer. Est-ce que les hommes ont-ils changé, c'est-à-dire les prédicateurs? Ils peuvent changer, mais je ne pense pas qu'ils soient tous transformés. Il peut y en avoir certains qui ont changé, mais en général, les hommes de Dieu n'ont pas du tout changé et les saintes écritures non plus. Alors si la parole de Dieu n'a point changé, que les hommes de Dieu non plus n'ont point changé, ou bien les prédicateurs, alors, qu'est-ce qui a changé qui fait que certaines prédications qui ont été prêchées il y a de cela quelques années, certains enseignements ne sont plus beaucoup plus valables aujourd'hui? C'est comme si les pasteurs sont en train de changer les messages qu'ils nous ont prêchés hier, entre autres, l'amour du prochain. Beaucoup se posent plusieurs questions, peut-être sans pour autant les crier à haute voix, même au-dedans de leur cœur, mais pasteur, c'est comme si, quand nous allons dans nos églises, surtout les églises dites des réveils, il y a de cela une vingtaine d'années, on nous prêchait beaucoup plus l'amour. C'était l'amour du prochain. Aime ton Dieu,
et puis aime ton prochain comme toi-même. Le message était beaucoup plus basé sur l'unité, l'affection, l'amour, le pardon, l'affection, la communion fraternelle. C'était des enseignements qui étaient beaucoup plus prêchés et on voyait que les gens s'aimaient beaucoup plus. Oui, je pense que beaucoup de gens se posent la même question. Je ne sais pas si vous aussi vous vous posez la même question. Je ne suis pas contre. Je pense que oui et non. Il y a cela 20 ans, 15 ans, on prêchait beaucoup plus cet amour-là, cette affection, cette communion fraternelle. Les gens devaient être unis, rassemblés, parler le même langage. Il faut faire confiance, aime ton frère comme toi-même. On te gifle à gauche, donne la joue droite qu'on gifle encore. C'est ça, être chrétien, etc. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir une chose. Le monde est en train d'évoluer. Les temps sont en train de passer. Je ne dis pas que la parole de Dieu doit changer parce que le temps évolue. Mais je suis en train de dire que le Fils de Dieu, les filles de Dieu, c'est celui, et la fille de Dieu, ce sont ceux-là qui marchent tout en regardant à l'horloge spirituelle, c'est-à-dire savoir situer le calendrier prophétique, en fait. L'horloge prophétique évolue. Tu es fils de Dieu, tu dois savoir si tu es situé par rapport au temps. Et c'est très important. Si tu n'as pas compris ces choses, mon frère, tu risques de croire que les gens sont en train de tordre les sens des Écritures. Tu risques de penser que les prédicateurs, aujourd'hui, sont en train de diviser les gens, sont en train de s'aimer la haine, etc., de diviser les familles. Tu risques de penser à travers, permettez-moi les termes, or, c'est tout simplement un problème basé au niveau de la compréhension de la notion du temps, c'est-à-dire vous n'avez pas les yeux braqués sur l'horloge prophétique. Ouvrons nos Bibles dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. La Bible dit ceci. Les fils d'Issacar avait les discernements des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Je pense ça dans la version du second. Lorsqu'il fallait aller introduire David à Hébron, chaque tribu d'Israël apportait sa part, ils allaient pour soutenir le roi David. Tandis qu'il y avait parmi les 12 tribus, une qu'on appelait la tribu d'Issacar, la Bible dit qu'ils avaient, cette tribu-là, elle avait le discernement des temps pour savoir quoi faire. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la sagesse aujourd'hui qu'appliquent beaucoup de prédicateurs, enseignants de la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs parce qu'ils seront sévèrement jugés. C'est-à-dire que le prédicateur doit faire très attention sur les types de nourriture qu'il communique aux brebis qui sont à sa charge. Et c'est pourquoi même quand on vient sur les nets, il faut savoir que beaucoup de gens nous écoutent. Il y a de ceux-là qui ont placé leur confiance en nos enseignements. Et quand vous apportez un message qui va à l'encontre de la volonté parfaite de Dieu par rapport à ces temps-là, bien-aimé Seigneur, vous serez aussi sévèrement jugé. Voilà pourquoi il ne faut pas prêcher parce qu'il faut le faire. J'aimerais que tu partages encore, tu permettes à quelqu'un de nous suivre pendant ce temps-ci, afin d'être édifié, d'être éclairé sur certaines zones d'ombre. On a prêché la confiance de soi, l'amour, l'affection, etc. Aujourd'hui, on n'a pas prêché le contraire. Mais seulement, l'homme de Dieu connaissant les temps et les réalités des changements qui se déroulent dans la vie des uns et des autres par rapport à ces temps-ci, et ces choses sont bien prédites dans les Saintes Écritures, il adapte la parole de Dieu par rapport au temps et par rapport aux esprits qui opèrent en ces temps-ci. Quel est le temps en question? Nous sommes au temps de la fin. Dans 1 Timothée chapitre 3, je pense bien si ce n'est pas dans 1 Timothée, ça va être le 3e épître de Timothée, je ne sais pas, verset 1er, on nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Là maintenant, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer des choses à Timothée. Il dit, le comportement que tu voyais auparavant là, ce n'est pas le même comportement que tu vas encore remarquer dans les jours à venir. Quand est-ce? En ces jours-ci, au temps de la fin. Épître de Paul à Timothée. Je sais qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, là, il parle comme prophète. Il prédit l'avenir. Il dit, dans les jours à venir, mes frères, les temps vont changer. Les cieux et la terre seront les mêmes, mais seulement les gens vont changer. Pourquoi les gens vont-ils changer? C'est parce que Dieu a prévu les choses comme ça. En ces temps de la fin, le comportement des uns et des autres changera. Le mode de vie changera. La façon de voir des choses changera aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse, mes frères. Qu'il vous bénisse richement. Ouais, c'est le deuxième épître de Timothée, de Paul à Timothée. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er. La Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Or, là-bas, on dit, les fils d'Issachar savaient discerner les temps pour savoir comment se comporter. Donc, c'est tout à fait normal que les prédicateurs, comme étant des fils d'Issachar aussi, poussés par le même esprit, voudrais-je dire, que les fils d'Issachar, sachant discerner les temps, c'est tout à fait normal qu'ils sachent maintenant adapter le message ou la parole de Dieu par rapport au temps. Quel est le temps? Les caractéristiques de ces temps sont là, établies par l'apôtre Paul. Il a prédit comme prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Maman, partagez s'il vous plaît. Mon frère, partage, permet à quelqu'un de nous rejoindre, permet à quelqu'un d'être connecté et de bénéficier de ce temps de réflexion dans les actes du passé. Ce n'est pas une émission où on vient là pour prier. Non, ici on réfléchit, on partage la pensée du Seigneur. Daigne le Dieu Tout-Puissant vous bénir et qu'il dispose l'entendement spirituel de tout un chacun de nous. La Bible dit quoi? Il y aura des temps difficiles. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, car les hommes seront égoïstes. Ah! Donc, là maintenant, on est pasteur. On prêche les fils et les filles de Dieu. On prêche les brebis du Seigneur. Mais celles-ci vont vivre dans quel monde? Dans le monde où les gens sont comme ça. Où les gens sont transformés. Dans le monde ou dans la société où les hommes deviennent égoïstes. Vous connaissez ce que ça veut dire. Dans le monde ou la société où les gens sont amis de l'argent. Ça dit que le comportement des gens dans le temps de la fin diffère de ceux à l'époque où Jésus-Christ était là physiquement sur terre. On dit ceci, les gens seront fanfarons, hautains. Mes frères, osez seulement bien vous habiller, c'est-à-dire être propre. Parce que bien s'habiller, c'est peut-être cher, tout ça, mais vous êtes seulement propre. Allez-y dans des stores, allez-y dans des places publiques et rencontrez vos frères à vous, vos sœurs à vous. Tu vas regarder sur 5 personnes, peut-être 2 vont te regarder avec courtoisie, peut-être vont seulement t'approcher, mais 3 sur 5 vont te regarder avec dédain. C'est-à-dire que la personne, tu ne la connais même pas. Vous ne vous êtes jamais vu, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, le comportement est pareil. Il y a des fois que tu te poses la question pour savoir est-ce que les gens sont maintenant nés tous d'une seule famille ou comment? Comprends qu'effectivement, c'est une famille spirituelle. Il y a la sémence de Satan, il y a un esprit maléfique qui caractérise la plupart des hommes sur cette terre. Habille très bien tes enfants. Allez-y. D'autres vont vous taxer de fils d'orgueilleux. Certains vont commencer à parler de vous, ils vont vous étaler votre biographie comme s'ils avaient déjà été avec vous alors qu'ils ne vous connaissent même pas. La dame, là, mais je la connais. Elle est gonflée pour rien. Depuis le pays, elle était comme ça. Elle a vu telle. Elle raconte des mensonges sur vous. Avec assurance, avec détermination, avec toute onction, entre guillemets, une onction satanique. Voyez-vous? Tout ça, c'est quoi? La personne est hautaine. A hautaine, on a mis sur moi qu'on boudé. Tu ne lui as rien fait. Tu ne le connais pas.
Mais la personne te déteste, elle te regarde avec dédain. C'est quoi? C'est un esprit qui caractérise les hommes de ce monde. Alors, quand déjà vous connaissez en tant que prédicateur que le monde a changé, les gens sont maintenant comme ça, mais il faut adapter l'évangile, préparer les peuples de Dieu. Déjà, la Bible dit que nous sommes comme des brebis au milieu de loups. Il faut savoir se comporter. Il ne faut pas laisser la brebis se faire dévorer bêtement parce qu'il faut lui parler de l'amour. Alors là, maintenant, on vient avec l'évangile, mais bien adapté par rapport au temps et au comportement des hommes de ces temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir seulement avec l'amour, mais on rentre encore toujours dans les enseignements de Jésus qui nous a prêché l'amour, qui est amour, 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 amour. Jésus-Christ nous donne également d'autres enseignements en dehors de l'amour. C'est-à-dire des choses qu'on doit ajouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par rapport à ce climat où il y a des loups ravisseurs partout, les gens sont égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles et déloyaux. Pas ta logique basée sur ce débat comme il mouquait. Aujourd'hui, Ah, je vous dis la vérité. Les gens préfèrent aujourd'hui suivre des personnes qui prennent une heure du temps ou deux heures en train d'injurier. Je peux me lever là, j'insulte. Un tel là, d'ailleurs, il est impudique. D'ailleurs, il a fait ceci. Il a voté 10 fois. On l'a répudié du mariage. D'ailleurs, elle a ceci. Son mari l'avait insulté. On l'a surprise. Elle n'a pas une bonne taille. Elle a un visage un peu défiguré, etc. Là, vous allez voir des vues. Les gens seront là en train de suivre. C'est-à-dire qu'un monde où les gens deviennent déloyaux, les gens ne sont plus loyaux. Des bonnes choses sont considérées comme des mauvaises, tandis que les mauvaises aujourd'hui sont appréciées. Ah, je vous dis la vérité. Vous êtes dans le domaine musical. Prenez un musicien qui vous chante des choses. Je ne vais pas faire la publicité des gens ici. C'est pourquoi je ne vais pas citer les noms. Sinon, j'en connais quelques-uns. Parlant par exemple de la musique de chez nous. Je connais des musiciens chrétiens. J'en connais un qui avait postulé pour être député. Il a échoué. Mais vous sentez la personne quand elle vous chante. Vous sentez qu'elle instruit. Une musique pleine de réflexions. Je connais même certains musiciens qui sont capables de faire des bonnes réflexions, des musiciens profanes bien sûr, mais qui ont changé. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'adapter au temps. Il y a de cela quelques années, ils vous chantaient très bien. C'était des belles réflexions, mais aujourd'hui, l'âge avance, la personne devient un peu, elle est en train de grandir, mais elle se comporte maintenant comme des jeunes. Il faut mettre un peu des insultes dans la musique, un peu des bêtises, ils voilent un peu, parce qu'ils doivent s'adapter au temps. Ça dit que les bêtises aujourd'hui sont appréciées et les valeurs sont rejetées. Est-ce que je parle à quelqu'un? La preuve en est que nous sommes là, nous prêchons l'évangile. Mais vous allez remarquer que quand on prêche la parole de Dieu qui édifie, on va vous signaler. Mais les personnes qui injurient, on les laisse. C'est-à-dire que le monde est en train, bien aimé le Seigneur, de changer. Ennemi des gens de bien. Alors les enfants de Dieu maintenant, chrétiens, appelés à aimer, doivent-ils se comporter de quelle manière par rapport à une société perverse, une société de ces genres? Alors le prédicateur doit adapter l'évangile. En ce cas-là, le pasteur Kalala ne viendra pas avec l'évangile seulement de l'amour. Vous êtes des brebis. Il faut avoir confiance aux uns aux autres. Aimez-vous, faites confiance, traitez quelqu'un comme vous-même. Mais attention, la personne que vous voulez traiter comme vous-même, elle n'est pas comme vous. Vous ne pouvez pas empoisonner quelqu'un. Mais la personne que vous voulez traiter comme vous-même, là, elle ne pense pas comme vous. Pour elle, empoisonner quelqu'un, ça ne veut rien dire. Je vous dis la vérité. Maintenant, 10 euros, 100 euros, la personne vous élimine. C'est-à-dire que déjà, vous avez deux personnes différentes. Vous ne pouvez pas vous comporter dans un tel endroit et afficher une attitude comme celle que Jésus avait prêchée là. Aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même. Attention, tu vas mourir comme Abel. Je vous dis la vérité, mes amis. Qu'est-ce qu'on doit apporter maintenant comme évangile par rapport à un climat comme ça, une société perverse de ces gens? On complète la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est complète. On l'adapte par rapport au temps. Les fils d'Issacar avaient le discernement des temps et savoir comment vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui on prêche la parole de Dieu. Il y a l'amour,
Mais en plus de l'amour, on ajoute la prudence. Jésus-Christ dit ceci, vous êtes humble, soyez humble comme la colombe. Mais attention, il ne s'arrête pas là, il continue en disant, mais aussi prudent, comme le serpent. C'est-à-dire que par rapport à ces temps, c'est tout à fait normal que les hommes de Dieu tiennent des séminaires pour appeler les peuples de Dieu à la vigilance. Je ne sais pas, je suis en train d'éclairer quelqu'un. Que Dieu vous bénisse mon frère, qu'il vous bénisse richement ma soeur, parce que vous comprenez, mais j'aimerais que vous multipliez à partager. Il faut qu'on dise aux enfants de Dieu, c'est vrai, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur, tu dois être humble et effacé, mais attention, sois prudent. Parce que les gens qui vivent dans la même société que toi, ils ne sont pas comme toi. C'est ça, bien, mais c'est en cela que consiste la naïveté de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Que des enfants de Dieu qui pleurent dans tous les domaines. Pasteur, on m'a escroqué. Pasteur, on m'a détourné mon mari. C'est une amie proche qui m'a piqué mon homme. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses auxquelles nous sommes bien, mes seigneurs. C'est des situations que nous recevons tous les jours. Pourquoi? Parce que, au nom de l'amour, tu as reçu quelqu'un chez toi à la maison. Tu l'as hébergé. Tu as pris soin de une soeur, bien c'est un homme, ça dépend. Tu as pris soin d'elle. Tu lui as montré l'amour et tu lui as fait confiance. Quelques années après, on fait le checking, tu as été empoisonné. Par qui? On vérifie, quand on fait, on essaie un peu d'examiner la période, la série, tout ça, parce que la technologie a évolué. On voit que c'est une période où vous étiez avec la personne et tu n'as pas mangé quelque part ailleurs, c'est là. On examine le type de nourriture, c'est la nourriture préparée par ton ami, par ta copine, etc. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de gens souffrent de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal enseignés. On leur passe mal de l'amour, de la confiance. Il faut avoir confiance en l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Mais l'autre, là, il n'est pas comme toi. Abel pensait que Caïn était comme lui. Abel ne pouvait pas penser qu'un jour, Caïn pouvait lui faire du mal. Il croit que je suis en présence de Yah Caïn. Yah Tkenga Libele. Ah, ma soeur et mon frère. Alors, quand le pasteur là vient te prêcher, te demandant d'être vigilant ou prudent, ne pense pas qu'il te prêche la haine. Faut savoir comment se comporter par rapport au temps et par rapport au type d'homme que tu rencontres, au type de personne avec qui vous vivez ensemble dans une même société. Papa, maman, que Dieu vous bénisse. Je vous prie encore de multiplier des partages. Donnez-moi quelques partages malgré le petit problème de connexion. Partagez, partagez et partagez davantage. Vous êtes là, vous me captez 5 sur 5, rassurez-moi que vous êtes avec moi et que Dieu vous bénisse. Partagez, partagez, partagez davantage. Nous sommes toujours au rythme des signalements, mais nous avançons. On ne va pas baisser les bras, nous continuons pour l'édification du corps de Christ. Donc c'est à vous maintenant de travailler avec les partages et d'inviter les autres. Partagez davantage. Partagez sur WhatsApp, partagez dans les groupes Facebook auxquels vous êtes abonnés. Partagez dans tous les réseaux sociaux. Faites une large diffusion des enseignements. C'est parce que le peuple de Dieu doit être éclairé. Est-ce qu'on peut avancer? Voyez-vous? Donc les gens sont maintenant comme ça. Calomniateur, intempérant, cruel. Tuer quelqu'un, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Ennemi des gens de bien. Aujourd'hui, si tu remarques des personnes qu'on déteste, posez la question, tu détestes cette personne pourquoi? Des fois, il n'y a pas un motif valable. C'est souvent des futilités. Messieurs et dames qui se battent, des fois, monsieur va tuer madame, tu poses la question, il y a eu quoi? Rien de profond. Je vous dis la vérité. Rien de grave. Les gens deviennent cruels. Ennemis des gens de bien, traîtres. La trahison, je viens d'en parler. Emporté et enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voyez-vous. Donc les temps, aujourd'hui on a beaucoup plus de loups que de brebis. On a beaucoup plus de Caïn que de personnes de bonne moralité. Et ce partout, que ce soit dans les choses de Dieu. Hier quand on vous dit que quelqu'un est un pasteur, c'est-à-dire que vous savez que c'est un véritable loin de Dieu, il y a une certaine dose, c'est-à-dire un certain seuil d'intégrité
C'est quelqu'un qui pouvait faire confiance. Voilà pourquoi dans beaucoup de pays, par exemple, des institutions telles que la CENI, la Commission électorale indépendante, des fois on confie ça à des hommes religieux, des prêtres, des pasteurs, des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est des personnes censées être beaucoup plus loyales. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les pasteurs se font corrompre facilement. Aujourd'hui, les prêtres, on les corrompt facilement. Je vous dis qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, des personnes qui étaient censées être loyales, aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a à boire et à manger. Tu pouvais envoyer ta fille au couvent et être tranquille. Je vous dis que tu dors paisiblement chez toi à la maison. Tu sais que ma fille est entre les bonnes mains. Mon fils est allé quoi? Au petit séminaire. Oh. Mon fils aujourd'hui, c'est un prédicateur, c'est un intercesseur. Il prie là-bas dans telle église, dans tel groupe de prière. Mais tu étais à l'aise. À peu des groupes de prière. Bien aimé, mais je vous dis la vérité. Tu vas voir le frère qui devient. C'est comme si le ciel, c'est comme si Jésus revenait demain. Mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Bishop, pasteur, évangéliste, ça ne veut rien dire. Et les gens n'ont plus confiance parce que tu peux envoyer ta fille chez un pasteur et demain ça vient autre chose. Combien de filles ne se sont pas engrossées par des hommes de Dieu? Combien des hommes d'autres religions également qui se sont confessés pour dire qu'ils sont dans des trucs bizarres? Ils ont abusé des filles d'autrui, ils ont des femmes, tout ça, mais ils se disent être des chastes, etc. Ça, vous sentez que le monde est en train de changer. Alors quand le monde change comme ça, on doit également préparer les fils et les filles de Dieu à s'adapter. C'est pourquoi je viendrai avec l'évangile, la parole de Dieu, qui nous parle de l'amour, mais je dois également assaisonner. C'est là de quoi? De la prudence. Soyez humble comme la colombe, maman, papa, mais prudent comme le serpent. À ne pas confondre avec la haine. À ne pas confondre avec, bien Seigneur, la division des familles. Ah, l'évangile aujourd'hui, baso kablande, ma terre, ma pasteur, oh, baso kabla ma famille. Il faut suivre les fonds. Ah, Jésus-Christ, je ne comprends pas les pasteurs d'aujourd'hui, c'est des déclarations qu'on voit dans les réseaux sociaux, etc. Je ne sais pas si la parole a changé ou comment l'évangile aujourd'hui, vraiment, c'est comme si on divise les familles, on ne prêche plus l'amour. Aujourd'hui, c'est la méfiance, le manque de confiance, etc. Tout ça au nom de la parole de Dieu. Les pasteurs divisent les gens pour régner. Non, mes frères. On adapte la parole de Dieu par rapport au temps. Les fils d'Issachar savaient discerner le temps pour savoir comment se comporter. Les chrétiens doivent se comporter par rapport à ces temps. Savoir gérer les esprits, les mentalités, les comportements. Il faut avoir une attitude adaptée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut avancer avec les arguments bibliques et les exemples maintenant? Un adage de Senou dit ceci: Bouzo baliboso, maele na sima. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 37, 38, 39, etc. vers 41. J'ai beaucoup aimé le comportement ou l'attitude d'un homme à la personne de Joseph. Mais avant d'évoluer, j'aimerais que tu fasses cette déclaration avec moi. Dis: Éternel Dieu, aide-moi à m'adapter par rapport au temps. Aide-moi à m'adapter par rapport au temps. Chrétien, oui. Appelé à aimer les autres, oui. Mais prudent par rapport au temps. Est-ce que tu peux dire à Dieu de t'aider? Que tu dises à l'Éternel: aide-moi à m'adapter. Façonne mon âme, mon cœur et mon esprit. Sinon, tu risques de partir comme Abel. J'ai aimé l'attitude de Joseph. Joseph vit dans une famille. Le temps où il était en train de grandir avec ses frères et sœurs, il ne veut pas réaliser la haine. Il ne veut pas s'imaginer que les frères pouvaient, ses frères à lui, pouvaient les haïr jusqu'à ce point-là. Ou ils puissent méditer de les tuer. Ça, Joseph ne veut pas voir l'idée. Tu pouvais tout lui dire, sauf ça. On ne te croit pas. Levier. Ruben, oh non, jamais. Judas, oh jamais, jamais, jamais. Ça, ce sont mes vieux, c'est-à-dire que c'est les fils à papa, mes grands frères, voyez-vous. Et il avait tellement confiance
De sorte que quand Dieu lui parle, il reçoit une vision nocturne, la nuit, c'est un songe. Dieu lui parle de sa destinée. Dieu lui dit que toi là, tu es la colonne familiale. Là, c'est Joseph qui rêve, mes amis. C'est un secret. Parce que c'est une vision de la part du Seigneur. Je ne te vois pas réagir, ma soeur. Mon frère, je ne te vois pas réagir. J'aimerais que tu partages encore. Donnez-moi encore quelques partages. Partagez, partagez, partagez. Permettez à quelqu'un d'être branché. Là, je ne vois pas de partage. Je ne vois pas de commentaires non plus. Je vous prie de multiplier des partages et des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous tous. Sois béni, toi qui le fais en ce net moment. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Merci, merci, merci pour vous tous qui marquez les j'aime. Que Dieu vous bénisse et que vous bénisse abondamment. Mais je prie beaucoup plus pour tous ceux qui partagent et qui invitent les frères ainsi que les sœurs. Donc, papa, maman, suivez attentivement. Joseph avait tellement confiance. Donc là, il est dans la dimension de « On te gifle la gauche, donne la droite. Aime ton prochain comme toi-même. » Oui et amen. Je ne suis pas contre. Il évolue avec ses frères. Là, il est dans la famille. Ne sachant pas que la Bible dit aussi « L'homme a pour ennemi, premièrement, les gens de sa propre famille. » Un bon jour, ses grands frères vont paître les troupeaux de leur père. Il reste à la maison avec papa. C'est son père qui lui dit, « Petit, tes grands frères ont l'habitude de rentrer ici aux environs de 14 heures, n'est-ce pas ? » Il est maintenant 15h45, 16h, je ne les vois pas. Ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas texté. Sûrement, ils doivent être en difficulté. Va un peu, tu connais, ils vont perdre les troupeaux, non? La période où vous allez ensemble, tu connais les milieux. Oui, papa, je connais. Va un peu voir qu'est-ce qui leur est arrivé là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est de cette façon que ça s'est passé. Et le papa, papa savait déjà que les grands frères étaient un peu... Parce que c'était des demi-frères. Hein? Il les savait en tant qu'une grande personne. Il dit, va un peu rendre visite à tes frères. C'est alors que Joseph s'en va. Lui également, lui par contre, il était beaucoup plus confiant en ses grands frères. Nabo moana, manque à connaissance, à comprendre Maramoubienté. Et dans la notion de aime ton frère comme toi-même, on te gifle à gauche, donne encore la droite. Il arrive là-bas, il ne trouve pas ses frères. Alors il voit un papa qui passait. Papa, il se rapproche du vieux. As-tu observé mes grands frères ici, là? Ils sont nombreux comme son nombre de 10 ou 9, quelque chose. Oh, je les ai vus. Et je les ai entendus dire qu'ils vont paître les troupeaux à Dothan. Alors, le papa va lui indiquer la route. Mais Joseph les poursuit. De loin, il les aperçoit. Dans le cœur de Joseph, c'est la joie. C'est l'amour de retrouver ses frères. Il s'est dit, waouh, c'est un ouf de soulagement. On va rentrer ensemble avec les vieux. Etc. C'est comme beaucoup de gens aujourd'hui. Tu veux que le pasteur là te prêche l'amour? Oui, je te prêche l'amour. Mais en plus de cela, je te prêche également la prudence, la vigilance. Ce n'est pas la haine. La prudence doit être prêchée aussi. Donc toi qui confonds le message de pasteur aujourd'hui, attention, l'homme n'a pas pour ennemi. C'est mal les étrangers, même les gens de sa maison. Ce n'est pas dans l'esprit de diviser la famille, mais c'est pour préserver et sauvegarder les âmes, garder les brebis du Seigneur. Il voit ses frères, lui il est dans la joie, mais dans le camp contraire, ce n'est pas ça. La Bible dit, les frères le voient de loin. Ils organisent une réunion à l'improviste. Vous connaissez les thèmes, les sujets de la réunion, sujet central? Tuons Joseph. Regardez ce faiseur de songes qui arrive. Tuons-le. Lesquels tiennent ces discours? Ce sont ses frères propres. Tuons-le. Or, quand nous lisons les temps que nous traversons actuellement, la Bible dit les gens seront comment? Cruels. Kobo Meloro Pamba. Kobo Manetti n'a filmé. C'est actuellement. Quand je parle d'être cruel, ce n'est pas seulement les assassins dans le monde physique, même dans le spirituel.
Laissez-moi vous dire que 80%, pour ne pas parler de 99% des personnes qui décèdent aujourd'hui, surtout de la mort prématurée, ce sont des sacrifices des familles. Je vous dis la vérité. C'est qu'a produit Caïn. Ah, aujourd'hui, ça se reproduit dans une dimension, je ne fais pas voir l'idée. Ce sont ses frères qui tiennent une réunion. Ils disent, tuons-le. Maman, papa, partagez. Donnez-moi encore quelques partages, s'il vous plaît. Rassurez-moi que vous êtes d'accord et vous êtes ensemble avec moi. Merci à vous tous qui invitez les autres. Merci à vous qui partagez. Merci à vous qui commentez aussi. Que Dieu vous bénisse. Il décide de le tuer. Il dit, tuons-le. Aujourd'hui, on ne va pas rater cette occasion. Regarde un peu à côté. Papa est là. Non, il vient seul. Alors, on va le tuer. Bien-aimé, ce n'était pas de la blague. Sitôt dit, sitôt fait, ils ont tenté. Quand il approche, oh, viens, on le récupère, on lui ravit d'abord la tunique. Combien de personnes on est en train de ravir des tuniques aujourd'hui? Parce qu'à travers la tunique, c'est l'identité d'une personne. Ce que son père lui avait donné comme vêtement de plusieurs talents. La tunique bigarrée. La tunique de plusieurs couleurs, qui voulait tout simplement dire qu'il a plusieurs grâces en lui. Bien-aimé, les frères lui ont ravi ça. Spirituellement, ça se passe aussi comme ça. Il y a des jeunes gens qui étaient intelligents. Aujourd'hui, tu regardes la personne qui était intelligente à l'école primaire. Tu regardes comme ça et tu dis, papa, oh bah Loki était. Mais le gars, il était intelligent. Mais cette femme, cette fille, elle était intelligente. Je me souviens encore de l'une des filles intelligentes de notre école. J'étais encore au collège Bonsomi. L'école des prêtres. Je connais une fille là, elle était... Ah, bien aimée. J'ai tout fait pour dépasser la fille là. Je ne l'ai jamais dépassée. On l'appelait Mouboulakani. Très élancée. Mouindou Moulaïbou. Maïele. André. Non, non, on doit quitter au lieu. J'ai tout fait pour être première ou premier ou deuxième. Mais je vous dis qu'elle nous laissait toujours. Il y a des personnes comme ça, très intelligentes. Mais il y a des familles où des personnes sont intelligentes comme ça, mais dans la vie, ils ne font rien du tout. Elles se plongent dans les commerces, ça ne va pas marcher, dans les études, ils n'avancent pas, dans tout ce qu'il fait, c'est noir. Pourquoi? La famille lui a ravi la tunique de plusieurs couleurs. On a combattu les talents, on a combattu les grâces. Et connaissant ces choses, mes amis, voulez-vous que le pasteur prêche quoi? La Bible dit ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et là, on est contraint maintenant de préparer les cœurs de Joseph. Pour que ce qui arrive à Joseph, ce qui s'est passé dans la Bible, là, ça arrive à Joseph, c'est pour que ça nous serve de leçon. Dieu, sachant qu'il y aura des moments difficiles où les gens auront la même attitude que les frères de Joseph, nous devons adapter maintenant l'évangile. Préparer les cœurs des uns des autres. Yaya, c'est bien. Il faut aimer tes frères dans la famille. Mais attention, sois vigilante. Sois prudente. Ne fais pas 100% confiance à qui que ce soit dans la vie. Même tes propres frères peuvent aussi te faire du mal. Nous sauvons des âmes. Que Dieu vous bénisse parce que vous comprenez. Et la Bible dit, Joseph arrivé là-bas, n'ayant pas remarqué depuis qu'il avait raconté les songes, les frères l'avaient haï davantage. Il vient comme un frère, comme avec courtoisie, au nom de l'humilité. Aime ton frère, même s'il t'avait haï hier, il était fâché. Fais-lui encore confiance. Et on l'a tabassé sérieusement, là, j'étais dans la citerne. Et pendant qu'il était seul dans la citerne, et continue à méditer maintenant, que faire pour l'achever? Je parle à quelqu'un qui en a ravi. Beaucoup de choses dans la vie. Tu as perdu des véhicules, tu as perdu des parcelles, tu as perdu des affaires, tu as perdu de l'emploi, tu as perdu ta santé, tu as perdu beaucoup de choses, des relations. Tu ne connais pas l'origine. Très souvent, c'est des personnes de famille. Au sein de la famille, l'insecte qui gâche le haricot est enfui au sein de l'haricot même. Et la Bible dit, après que les frères aient médité de les tuer, comme la Bible déclare aussi que quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Dieu a touché le cœur de l'un de ses frères qui était déjà les ennemis de Joseph.
Il a touché l'un d'eux. Et l'autre également qui était cupide, comme son nom, hein, Judas. Judas, dans l'histoire de Jésus, va jouer le même rôle que Judas, l'Iscariote, à l'époque de Joseph, hein, de Jésus-Christ. Et ça, c'est Judas à l'époque de Joseph. Il va penser à l'argent. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on va gagner en tuant les frères? Vendons-le, comme ça qu'il aille vivre comme esclave. On peut se débarrasser de lui. Bien-aimé, toutes ces choses se passent aux yeux de Joseph. Et il écoutait tout ce qu'il disait. C'est alors qu'il a appris maintenant à se comporter. Il a acquis de l'expérience. Papa, maman, quand nous prêchons ces choses, ce n'est pas pour vous diviser dans la famille. Il y a un adage de ce monde qui dit l'expérience édique mieux que les conséquences, édique mieux que les conseils. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile de vivre l'éducation des conséquences. Beaucoup de gens, quand ils veulent en arriver là, c'est-à-dire être éduqués par les conséquences, très souvent c'est même l'éducation peut vous amener jusqu'à la mort. L'éducation des conséquences. Il ne faut pas blaguer. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, quand vous écoutez des enseignements, il faut avoir l'oreille spirituelle et demander à Dieu la maturité, le discernement pour appréhender le fond de nos messages. Ne confondez pas ce qu'on vous prêche avec la haine des frères et des sœurs. On parle de la vigilance, on vous parle de la prudence. La Bible dit, après qu'on l'ait tabassé, ils sont quand même convenus de le vendre. Joseph est parti comme esclave. Ça a été maintenant l'objet des réflexions profondes. Et ça lui a aidé à être mature. Joseph a compris que comme le temps change, je dois avoir maintenant une attitude nouvelle, un nouveau comportement, une nouvelle attitude vis-à-vis de ces personnes. Est-ce que vous allez me dire que Joseph est un homme plein de rancune ou rempli de haine? Loin de là. Vous connaissez ce qu'il a enduré comme coup, comme difficulté sur la paix et la terre, n'est-ce pas, d'accueil. Il était en Égypte comme esclave. Je n'ai pas descendu comme toi à l'aéroport. Hein, bien habillé là. Non. Il a fait sa rentrée en Égypte. C'est-à-dire qu'un esclave digne de ce nom. On les tirait comme ça à l'aide d'une chaîne. Vous avez déjà vu le film de Kunta Kinte? Kunta, je m'appelle Kunta Kinte. C'est comme ça que Joseph est rentré là-bas. Qui lui ont poussé à en arriver là? Ce sont ses frères. Son sang. Quand on dit que les hommes seront cruels, ennemis des gens de bien, hautains. Il y a beaucoup de caractéristiques. Égoïste, ingrat, irréligieux, insensible. N'avait même pas pitié. Là, Joseph pleurait. Yaya, ne me laissez pas partir. Vrai, ne m'abandonnez pas. Il regarde comme ça, ses frères sont en train de partir. Il se disait peut-être que l'un va revenir pour le chercher. Il voit qu'ils sont partis. Oh! Et après, il commence une vie sur une terre étrangère. Quand tu lis l'histoire, là, il ne faut pas seulement lire comme un journal. Il faut ramener les choses et rentrer dans les contextes. Tu vas comprendre, ce n'était pas un coup facile. La trahison a sa raison d'être jusqu'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Les gens trahissent les autres jusqu'aujourd'hui. Il y a des vies vendues jusqu'aujourd'hui. Un sorcier, un magicien ne peut pas sacrifier quelqu'un dans une autre famille sans avoir eu l'aval des membres de la famille. Même les Madianites, quand ils sont arrivés là-bas, les commerçants qui passaient là, ils n'ont pas acheté Joseph, ils n'ont pas pris de force. Il fallait que les frères de Joseph le vendent. Nous, mon arabato, va sacrifier un accident. Et catastrophe aérienne, va parler qui? Si c'est des sacrifices, par exemple, sachez que les membres des familles, il y a eu des agents qui ont vendu, qui ont donné l'accord. Récupérez-les. Il y a des âmes qu'on vend. Bachon a la vente aux enchères. On t'expose sur la place publique. Ndokignon soit balabala. Lokana yo ye. Il y a des gens qui sont vendus comme ça. C'est ainsi qu'on peut vous sacrifier. S'il y a une petite épidémie qui souffle là, ça vient, ça vous emporte. Il y a un petit vent là, vous êtes visité, on vous récupère.
parce que vos frères vous ont vendu. Et les Madianites pouvaient maintenant gérer Joseph comme ils le voulaient. Hein, ils basuillaient comme esclaves, l'imbier, après la tête qui payait. Il y a des gens comme ça qu'on a vendus sur des marchés publics et spirituels. Bref, Joseph se retrouve entre les mains de Potiphar. En Égypte. Et Madame Potiphar va avoir les yeux braqués sur le jeune homme qui était beau. Beau de figure et de taille. Allez directement, il va lui proposer autre chose. Heureusement que Joseph était accro à Dieu. Il va dire non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu, ni contre mon boss Potiphar. On les jette en prison, je passe rapidement pour ne pas perdre le temps. Joseph se retrouve premier ministre par la grâce du Seigneur. Donc Joseph est en train de vivre maintenant la bénédiction. Quel type de message voulez-vous que le pasteur Galala puisse prêcher à Joseph vis-à-vis de ses frères par rapport à tout ce qu'il a enduré comme situation dans la vie? Que je dise à Joseph, Joseph, il faut aimer tes frères. Comme ils t'ont giflé à gauche, il faut encore leur faire 100% confiance qu'ils te giflent encore à droite. C'est ce que Jésus a prêché. Jésus n'a pas prêché la prudence, la vigilance. Non. Il faut leur faire confiance. Il faut oublier, pardonner, rechercher la paix avec tous. Ce n'est pas ce genre de message. Voilà pourquoi nous adaptons, la parole de Dieu par rapport aux réalités et aux contextes, par rapport au temps et au comportement des uns et des autres. Je vais dire à Joseph, comme lui-même l'a fait, je ne sais pas s'il priait dans quelle église, en tout cas coup de chapeau à ce pasteur-là, le pasteur de Joseph, tu as fait un travail excellent. Et je parie que c'était l'Esprit de l'Éternel qui lui avait enseigné ces choses. Et c'est le même Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous conduit à donner ce genre d'enseignement pour sauver et préserver des âmes. Voilà que Joseph, il reproduit textuellement ce que je vous prêche tous les jours. Joseph n'a pas haï sa famille, il n'a pas détesté ses frères, mais il a changé d'attitude. Il a ajouté, en dehors de l'amour, il a ajouté la prudence et la vigilance. Il est premier ministre. La Bible dit que personne ne pouvait rentrer et sortir sans son accord. Il était la deuxième personnalité du pays, du royaume. Le roi dit, je te donne cette bracelet, symbole des représentations. Ça dit qu'en dehors de moi, ici, toi tu surpasses tous les citoyens égyptiens. Deuxième personnalité. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il contrôlait, c'est parce que la crise, il y avait une crise mondiale. Même le pays, son pays d'origine, Israël, une crise totale. Il n'y avait plus la nourriture. Tous les pays du monde, les gens venaient maintenant vers l'Égypte. Ah, je vous dis la vérité. Les gens venaient se ravitailler en denrées alimentaires suite à la crise. Venez lire l'histoire dans Genèse 30 et 37 jusqu'au verset 42, 43. On vous parle de ça. Et la personne qui décidait, c'était maintenant Joseph. Viens à la ralicolo, kota l'icolo comme une assez, kota c'est comme l'icolo. Viens en un échange. Yom to se comme toi na passe le lobby que lobby. OK comme appelle la passe pour mutana à autant dans l'us mob. Ne t'enfle pas d'orgueil parce que tu as des moyens aujourd'hui. Ceux qui galèrent aujourd'hui, hier ils en avaient. C'est parce qu'il faut avoir beaucoup de retenue dans ta façon de traiter les autres. Les autres qui n'ont rien peut-être aujourd'hui. Ah, il faut être très réservé. Osate le bayaya na ngote. Au lieu de bouder les gens, de regarder les gens avec mépris. Non. Dis à ton frère la vérité. Je n'ai pas de moyens. Je ne suis pas encore bien positionné. C'est très important dans la vie. Voilà que Joseph est maintenant grand. Il regarde comme ça, il aperçoit ses frères qui rentrent. Papa partage. Permet à quelqu'un de comprendre que la Bible est la même. Mais la prédication, on doit l'adapter par rapport à 2 Timothée chapitre 3. Verset 1er. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes ne seront plus normaux. Batbaro changé. Bespia batero laouka. Batbaro miki laou. Les gens ne seront plus dignes de confiance.
les personnes seront déloyales. On dit quoi? Déloyales. Et les gens parlaient des gens déloyaux. Voyez-vous? Ah, ils allaient en dégoût. Bah, toi, logique. Ah, bah, comment mouké? Ah, na mon papoise à la moi calme, n'a pas ses confiances, tant qu'il est bas, n'a pas mis balle. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici, là. Bah, non, bah, comment, bah, madame, n'a rien. Ah, je te dis la vérité. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, ce qu'on appelle par le sérieux, ça ne s'écrit pas ici. Na kaiza ngi mamutu moro papa mukolo suka pembe bimjana mutu obi ah apenda sagesse zawa la personne est digne de confiance mais c'est plus le cas aujourd'hui oka pena papa mukolo même buzo bezo mena munoko naye tu te dis mais finalement la personne ne se respecte pas ata suka pemba pamba mutu azo respecte ngote toni c'était symbole de sagesse hier. Voilà que Joseph il regarde de loin. Oh, c'est Judas. Non, là, c'est le vieux Ruben. Là, l'autre, là, c'est qui? Ah, oh, ça, ce sont mes frères. Bien-aimés, après plusieurs années, mais il allait vite, vite, aussitôt les accueillir. Bien-aimés, écoutez, la Bible dit Joseph va rester calme. Il leur donne à ses militaires, à ses policiers, ses gardes. Il dit, appelez-moi ces gens-là. Bien-aimés, les frères vont venir. Joseph regarde attentivement. Comment dois-je traiter ces gens? C'est ce que toi tu confonds avec la haine. C'est ce que tu confonds avec la division des familles. C'est ce que tu confonds avec les pasteurs ont tordu le sens de l'évangile. Ils ne prêchent plus la bonne parole de l'amour qu'on prêchait auparavant. Non. Ici, Joseph n'a point changé. Il est toujours un homme plein d'amour, mais il a ajouté la vigilance et la prudence, vu les temps et les expériences vécues. Connaissant maintenant la nature de ses frères, il a changé d'attitude. Tout en gardant l'amour, il a ajouté la vigilance et la prudence. Quand la prudence fait défaut, la Bible dit, les peuples tombent. Ne confondons pas la prudence à la haine et à la division. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes amis? Ne confondons pas la prudence à la haine. Il les a traités durement. Ça, là-bas, au bout. Eh, monsieur, je vous vois un peu suspect, là. Vous venez d'où? Là, il veut savoir d'où venaient ses frères. Oh, on vient d'Israël. Tout ça. Oh. Vous, là, venez d'Israël. Montrez un peu vos ça. Vous n'avez pas des armes là-bas. Là, il les troupe d'abord, il les grimace un tout petit peu. Non, chef. Non, chef. Et il ne les reconnaissait plus parce que il y a des bénédictions. Ce n'est pas mon lieu. Pendant que vous changez les personnes qui t'ont connu, c'est là 20 ans, 15 ans, 10 ans. Elles ont du mal à te reconnaître. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant te bénisse jusqu'à ce point-là. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Il va les grimacer, les grimaces. Alors ils vont lui dire, on vient de tel endroit. D'ailleurs, regardez nos pièces d'identité. Quand il regarde comme ça, il était maintenant rassuré que c'était ses frères. Il dit, bon, est-ce que vous avez des parents? Vos parents sont là? Oui, ils sont encore là. Votre père s'appelle comment? Oh, il s'appelle Jacob. Là, maintenant, il était plus que rassuré que non. Je ne me suis pas trompé, ce sont mes frères. Est-ce qu'il s'est dévoilé aussitôt? Les a-t-il accueillis pour commencer à fêter? Oh, mes frères, allez dire à papa, hein, je suis vivant. Hein. Il n'avait plus confiance en eux. C'était ses frères, oui. Mais il fallait qu'il continue à les traiter durement pour qu'il puisse faire venir son père jusqu'en Égypte, de sorte que la prophétie puisse s'accomplir. Bien-aimés, il y a certaines prophéties qui risquent de ne pas s'accomplir dans la vie de certaines personnes par manque de sagesse, par manque de prudence et de vigilance. Tu peux gâcher l'accomplissement de ta propre prophétie, de tes propres promesses que Dieu t'a faites par ton comportement et par le manque de sagesse. Et la Bible dit, Joseph les a traités durement parce qu'il savait que s'il osait dire à ses frères-là que c'est moi Joseph, allez-y dire à papa que je suis là. Bien-aimé.
Déjà, le papa ne serait pas venu. Les frères qui quittaient là, ils allaient d'abord chercher à aller empoisonner le papa ou bien les tuer. Comme ils avaient menti. Parce qu'ils savaient déjà que tout le monde dans le quartier, tout le monde dans la ville et au pays, ils savaient que Joseph était décédé. Soit ils allaient partir pour ne plus revenir. Et Joseph allait avoir du mal à aller retrouver l'adresse de son père. Même s'il le retrouvait, ça allait faire des années et des années. Parce qu'il travaillait à 100% maintenant en Égypte. Il était déjà adopté citoyen égyptien. Est-ce que je parle avec un premier ministre, Nderonanga? Deuxième personnalité du royaume. Il occupait la primature. C'est pourquoi je vous prie. Connaissant maintenant beaucoup de réalités, Dieu vous a parlé par des signes, des songes, des révélations, des prophéties et même par les vécus quotidiens. Je ne te demande pas de ne pas pardonner. Oui, pardonne, mais sois prudent. Tu t'es battu pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu as pu rassembler un fonds. Tu as envoyé au pays. Acheter une parcelle. Les gens vont et n'achètent pas. Ils t'envoient des photos. C'est comme s'ils ont acheté. Ils prennent les chantiers des autres. Des fois, les chantiers de ton ami prennent des photos, après ils vous disent que non, c'est au niveau du chaînage. Maintenant, là, on est en train d'étoler. Entre temps, toi, tu t'es battu, tu envoies l'argent, on construit. Mais après quelques années, tu te rends compte qu'ils ont joué de, se sont joués de toi. Et au nom de l'amour, on t'a giflé à gauche, n'est-ce pas? Il faut encore donner la droite. Mais tu vas mourir, tu vas piquer, tu vas faire une crise de tension, tu meurs comme ça. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on t'a mal enseigné. Adapte-toi par rapport au temps. Comporte-toi comme Joseph. Joseph n'a plus fait confiance. C'était le Joseph d'hier. Il a compris. Parce qu'il a senti l'odeur de la fosse. On appelle ça comment? La citerne qui était vide. Après avoir senti l'odeur de la citerne, on ne reste plus la même personne. Et on doit prêcher ça aux enfants de Dieu. On t'a roulé hier. Aujourd'hui, on ne doit plus te rouler. Ne fais plus confiance à quelqu'un 100%. Même le membre de ta propre famille. L'exemple de Joseph est là. Il a dit, bon, ça va de toutes les façons. Vous êtes au nombre de combien? Je prends le plus petit là. Il reste ici. Allez-y, mais cherchez votre père avant que je libère le petit. Ne venez pas ici. N'osez même pas venir sans lui. D'ailleurs, je vous donne seulement un peu de nourriture pour le chemin. Laissez tout ici, là. Joseph Mtemamabe, Tima Yimbi, Tima Ngolo. Mtemamabe, on s'en a dit. Il est méchant, vraiment, ses frères. C'est un rancunier. Ça n'a rien à voir avec la rancune. C'est la prudence. Ndebamate ya auto zo teya ka mikolo yo. Keba nzamba lobe na ndoto loti albe na prophétie keba frère na yo. Aripe o salomabe maman papa na yo aiko baluke na yo. C'est la parole de Dieu. Que nous adaptons par rapport au temps mes frères. Que Dieu vous bénisse parce que vous comprenez. Nous tendons vers la fin de notre mission. Nous sommes là pour éclairer les peuples de Dieu et permettre aux uns aux autres d'être édifié. Merci à vous tous. Je vois des personnes qui me reçoivent. Merci maman depuis l'Angleterre. Que Dieu te bénisse. Je te bénis maman. Toi qui me suis depuis Libreville. Toi qui es de la France. Je vois l'Algérie. Papa, que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse richement. Et je vous prie de multiplier les partages et de faire une large diffusion de ces lives. Partagez. Nous sommes sur notre nouveau compte Facebook. Ça ne fait que commencer. C'est une nouvelle page. Et je vous prie de bien vouloir multiplier les partages et de vous abonner. Abonnez-vous massivement. C'est ainsi que il a pu manipuler un tout petit peu ses frères pour arracher, n'est-ce pas, leur contrainte d'amener leur papa en Égypte. Un peu de sagesse qu'on ajoute à l'amour. En dehors de l'amour, ajoutons un peu de vigilance et de prudence. On pourra vivre en paix et en toute quiétude dans cette génération perverse. Naba tant otokomi, au fan d'Israël, amour aveugle, que toi tu confonds avec l'amour, mais moi j'appelle ça la naïveté, tu feras ça. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait,
C'est pourquoi il y a certaines personnes dans la vie, si tu la vois en train de souffrir, laisse-la en train de souffrir, il ne faut pas te mêler. Voyez-vous, quand tu entends de tels propos, c'est-à-dire que la personne a fait confiance tellement, tellement, qu'il a eu des coups durs. Voilà pourquoi il en est arrivé là. Bouzobaliboso, Maëlle Nassima, Joseph a expérimenté ça. Et dans sa nouvelle attitude, dans son nouveau comportement, vous avez vu qu'il a pu rassembler les frères. Il a pu gagner. Son papa, il est revenu. Et quand ils étaient tous ensemble, c'est alors qu'il va se dévoiler. Il dit ceci à ses frères. Un franc parler, ce n'est pas le manque de respect. Ce n'est pas être rancunier. Ce n'est pas de la haine ou de l'envie. Ce n'est pas, bien aimé Seigneur, de la nervosité. Ce n'est pas de la brutalité non plus. Joseph leur dit, vous là, vous avez tenté de me faire du mal. C'est-à-dire quoi? Vous vouliez me tuer. En présence des papas. Ceux qui ont passé à la table, leur aboyé, ah, pasteur, c'est un rancunier, c'est la rancune, tout ça. Il fallait seulement oublier. Non. Il dit les choses telles qu'elles se sont passées pour leur faire savoir que la vie de l'homme et du fils ou de la fille de Dieu est entre les mains de son Père, l'Éternel des armées. Vous avez planifié de me tuer, c'est dans Genèse. Mais l'Éternel Dieu n'a pas permis cela. Toutefois, ce n'était pas de votre faute. Vous aviez construit une sorte de tremplin pour que je puisse en arriver là où je suis. De sorte que la vision et la prophétie puissent avoir son accomplissement. C'est ce que Joseph va dire. Il va dire à ses frères. Dépassé, abattu. C'est là que leur père va se dire, mais finalement. Donc le deuil qu'on avait organisé au pays, c'était un deuil virtuel. Alors que Joseph n'a jamais été tué. Tout le monde au pays m'a culpabilisé. Mais au pays, tout le monde sait que c'est moi qui ai sacrifié mon fils. Tout le monde m'a traité d'un papa sourcier. Parce que les fils là, les frères de Joseph, ils avaient taxé leur père de sorcier. Regardez de quelle manière ils sont revenus du pays après avoir vendu Joseph. Avec les vêtements de Joseph qui lui avaient ravi. Ils ont imbibé ses vêtements du sang. Ils ont pris le sang d'un animal, je ne sais pas, le sang d'un mouton ou bien de l'antilope, etc. qu'ils ont récupéré au niveau de la chasse. Ils ont déversé le sang sur l'habit. Ils venaient comme ça. Papa, papa, est-ce que Joseph est à la maison? Ah, bien aimé. Les frères sorciers, c'est toi qui les fais confiance. Ils sont spécialistes en manipulation. Je vous dis la vérité. Spécialiste en manipulation. Il vous pirate les comptes là, mais tu ne sais pas. Tu ne peux pas valider, c'est lui. Hein? Frère de Joseph. Brandit les vêtements pour culpabiliser, accuser papa. Papa, tu avais envoyé Joseph. Oh, c'est son habit, non? La tunique a plusieurs couleurs. Est-ce que Joseph est là? Bandoki. Donc le deuil s'est organisé. Tout le poids était sur Jacob. Une façon de dire que si tu ne l'avais pas envoyé venir nous chercher, notre frère ne serait pas mort. Papa, c'est toi qui es responsable de la mort de notre jeune frère. Sûrement une bête féroce l'a croisé en cours de route et l'a tué. Donc c'est ce jour-là que Jacob a pu comprendre que Joseph n'était pas du tout mort. C'est-à-dire qu'il va poser maintenant la question à son fils cadet. Dis-moi un peu comment ça s'est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vérités dans des familles aujourd'hui. Si nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, on ne peut pas vous dire et pour venir de ce genre de climat, beaucoup risquent de tomber dans des filets. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de destinées amputées comme ça. Il y a beaucoup de foyers détruits par leurs propres frères. Il y a des filles et des fils dont les destinées ont été déviées, gâchées par leurs propres parents. Des parents à l'instar de Lot. Quelqu'un qui sort la nuit pour signer un contrat avec les voyous du quartier et leur disant ceci exactement. N'abusez pas des mêmes visiteurs qui sont venus. Mais si vous voulez le sexe,
J'ai deux filles là-bas, mes propres filles à moi, elles sont vierges. Je veux vous les livrer, abuser d'elles toute la nuit. Il précise. Oh, la Bible dit l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est le papa biologique de ces deux filles-là. Mais ces filles sont des naïves, elles dorment naïvement. Bon, papa naïf, hein. Elles ont très confiance en leur papa. Elles se disaient que papa ne peut pas nous faire ça. Elles ne pouvaient pas s'imaginer que de tels propos pouvaient sortir de la bouche de leur père. Mais je vous dis qu'il y a des mamans aujourd'hui qui souffrent. Il y a des personnes dont les foyers sont gâchés parce que sa propre mère est sorcière. Son propre papa est dans l'occultisme, dans la magie. Son frère est allé consulter les devins, les marabouts, etc. Il y a des choses bizarres. Il commence à sacrifier les autres. Il combat les étoiles et le destin de tous ceux qui veulent émerger. Il y a des gens qui veulent être seuls la tête quand quelqu'un a besoin de cure-dents comme ça. Là. Allez, tire-dents, prends. C'est lui qui paye. Tu as besoin quoi d'un stylo, c'est lui qui achète. Il veut être seul, la colonne familiale. Il ne veut pas qu'un frère ou une soeur puisse également émerger. Parce que là-bas, il doit dominer la nuit, il doit également dominer le jour. Les désirs de tous doivent être tournés sur lui. Et on doit prêcher ça. À ne pas confondre avec la haine. À ne pas confondre avec la division des familles. C'est toujours l'amour, mais on ajoute la prudence. Pourquoi? Parce que nous voulons appliquer la sagesse des fils d'Issacar. La Bible dit, ils avaient le discernement des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Donc vous avez compris qu'on n'est pas là seulement pour la prière. On est là également pour réfléchir, méditer sur la parole de Dieu, adapter l'évangile au temps. Adapter l'évangile au temps. Apporter enlever des zones d'ombre dans les têtes des fils et des filles de Dieu. Éclairer tant soit peu le peuple du Seigneur. J'ose croire que chacun de nous a été édifié. Si tu avais des petites questions comme ça, tu as compris qu'on n'est pas en train de prêcher la haine. On n'est pas en train d'abrutir les gens. On n'est pas en train de diviser les familles. Mais on fait des cris d'alerte. Attention, il y a aussi ça qui règne dans la famille. Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que la confiance, mais on doit également vivre avec en toute prudence et être vigilant. La Bible réitère en disant, maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais heureux soit celui qui se confie en l'Éternel des armées. Et après, en fin de compte, on a compris que Joseph n'avait pas seulement rappelé cela, mais il était un rassembleur. Ils ont mangé ensemble. Il les a logés dans de bonnes conditions, bien qu'à Gozen. Il n'a plus vécu avec eux ensemble parce qu'il était déjà prudent et vigilant. Il ne s'est pas dévoilé aussitôt parce qu'il était déjà, il avait l'expérience. Les coups lui revenaient à la tête. Pas en termes de vengeance ou en termes de rancune, mais en termes de prudence et de vigilance. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Je ne te demande pas de haïr ton père ni ta mère, ni tes frères non plus. Mais il faut avoir maintenant un certain mode de vie. Hier, tu avais un projet directement, tu appelles le pays. Ah, d'ailleurs, il y a un marché comme ça qui se présente. Depuis que tu as fait ça, il n'y a pas de résultat. Change de stratégie. Attends, une équipe, va changer, arrête. Une équipe, va changer, arrête. Tout n'a ibenga, alobanayo. Soit classé système à pam, 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 tac, et s'imiter à changer système. Mon arrêt, ibenga, c'est bon. Match est changé. Abimisi, joueur, m'sous, à côté, m'sous. Il faut changer aussi. Il n'y a que toi qui ne changes pas, maman. Papa, changez. Changez le système à jeu. Joseph a changé le système des jeux. Je vous dis la vérité, Joseph a changé. Candaté, colinaté, mais tu gardes un peu de calme. Un peu de discrétion. Tu ne te présentes pas trop vite. Tu n'exposes pas tes projets trop vite. Tu as le temps de mûrir les projets, de mûrir la chose. À peine le fiancé vient, tu as parlé déjà à toute la famille. Combien présentait déjà Bakima? Maintenant, tu as même honte d'appeler les gens pour leur dire que hey, maintenant là, il y a un nouveau candidat. Fais asseoir les choses. Fais asseoir les choses. Organise-toi. Quand tu seras fort, tu seras affermi. Tu te présentes auprès de tes frères. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. C'était donc l'émission Les Actes du Pasteur Gala. C'est comme ça. Quand il y a l'émission Les Actes du Pasteur Gala, c'est des moments de réflexion, des moments d'édification, des moments d'affectation par la parole de Dieu. On apporte des éclaircissements. Et on prie aussi un tout petit peu. Est-ce qu'on peut prier avec vous pendant 2-3 minutes et puis on va clôturer l'émission. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Fermons donc nos yeux. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus être naïf. 1 Corinthiens, 1 Chronique 12, 32.
Que cet esprit de fils d'Issacar soit également le partage de ma personne. Que je vive comme eux. Sachant discerner le temps. Savoir comment me comporter par rapport à la société du temps que nous sommes en train de traverser. Vu le temps que nous sommes en train de traverser, que je sache comment me comporter par rapport aux amis, par rapport aux frères, par rapport aux connaissances, même dans l'église du Seigneur, comment me comporter. Et si tu sais vivre ces choses, tu les as très bien comprises, tu n'auras pas à tergiverser ni à te lamenter demain ou après-demain. Et toute ta vie, tu ne seras pas là en train de pleurer. Ah, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Tu vas remarquer que tu vas entendre ces choses chez les autres, mais pas chez toi. On a violé, on a fait ceci, on m'a escroqué, j'étais trahi. Tu vas entendre ces choses de loin. Mais c'est possible que tu ne les vives plus. Tu n'es pas là en train de vivre la trahison. Hier, tu as été trahi. Aujourd'hui, trahi. Demain, trahi. Finalement, tu seras toujours trahi. Un jour, tu risques d'être trahi comme Abel. Tu ne sais plus te relever. Que Dieu te donne la sagesse. Que ce peu de temps d'échange, la parole de Dieu, de beaucoup plus d'éclaircissement qu'il vous a apporté, ça puisse un peu vous apporter beaucoup plus de sagesse et de maturité. Que vous sachiez maintenant comment, bien que nous sachions, voudrais-je dire, comment nous comporter par rapport au temps, par rapport aux circonstances et même au sein de nos propres familles, tant biologiques que spirituelles. Est-ce qu'on peut prier, demander à Dieu cette sagesse-là, qu'il nous donne l'esprit des fils d'Issacar? On peut prier, demander à Dieu que la sagesse de Joseph soit également la mienne. C'est le sujet de prière que nous recommandons maintenant. Ferme tes yeux et prie. Demande à l'Éternel de te communiquer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, tendre Père. Et nous te prions maintenant de bien vouloir aider mon frère, d'aider ma sœur à bien vouloir se comporter. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te recommande le bien-aimé, je te recommande ma sœur entre tes mains, mon frère aussi qui a compris ce message, je te le recommande, Seigneur, entre tes saintes mains. Sois le Dieu qui agit, sois le Dieu qui opère dans sa vie, au nom précieux de Jésus de Nazareth. Dieu de la Bible, merci. Merci de le visiter. Merci d'opérer dans sa vie. Merci de le délivrer. Merci de le guérir. Merci de l'affranchir. Sors ton fils de la naïveté qu'il est en train de confondre avec l'amour, qu'il est en train de confondre avec la fraternité, qu'il est en train de confondre avec l'amour du prochain. Merci de purifier l'âme, le corps et l'esprit. Merci de délivrer chacun de tes enfants de ces genres d'ignorance et de ces genres de naïveté. Père, Seigneur, affecte-nous. Communique-nous maintenant la sagesse. La sagesse de Joseph. Communique-nous maintenant la sagesse. La sagesse de Joseph en Égypte. Qu'on sache comment vivre avec les traîtres. Qu'on sache comment se comporter avec des frères que nous considérions hier comme frères alors qu'ils sont les agents du monde des ténèbres qui souhaitent notre calvaire, notre malheur, notre ruine. Seigneur, que tu nous donnes les cœurs de Joseph. Qu'on ne soit pas rancunier ou rancunière, mais qu'on sache comment se comporter vis-à-vis de ces genres de personnes. Dans les noms puissants de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons l'agneau immolé de Dieu. Nous acclamons l'étoile brillante du matin. Nous acclamons le rocher des âges. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, l'agneau de Dieu. L'étoile brillante du matin. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Allez, papa, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Le temps, c'est le temps qui nous fait défaut. Sinon, s'il y a des exemples à donner, on peut vous en donner autant que vous le voudriez. Le temps nous manquerait pour vous parler par exemple de Jephté aussi, hein? Il est sorti de la maison de ses frères, de son père en pleurant, blessé par ses petits frères qui l'ont chassé. Tu es un enfant bâtard, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Quelques temps après, Dieu a fait de lui un homme fort. Lorsque les membres de sa famille sont venus aller le chercher, ou bien qu'il avait chassé comme un chien, bien aimé le Seigneur, il ne les a pas reçus aussitôt. Il va leur poser des conditions. N'est-ce pas que vous m'avez chassé? Il n'est pas rancunier. Il dit, bon, maintenant, comme vous venez,
je pose des conditions. Je serai avec vous à condition que vous m'acceptiez comme votre leader. À comme il peut moi fier, hein? Moi l'Olendo. L'Olendo Temin, il connaît maintenant à qui il a affaire. Je ne traite plus avec vous en termes de frères. Moi, je vous ai considéré comme la famille. Mais vous m'aviez montré ce que vous m'aviez montré. Et maintenant que Dieu me renforce, vous venez encore auprès de moi. Je dois vivre avec beaucoup de réserves. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. C'était donc l'homme de la continuité, le pasteur Kalala, à la présentation de cette émission en collaboration avec la personne du Saint-Esprit. L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03. Encore une fois, 331-262-49-03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre. Donc, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, Patrick Kalala Ministry, comme celle-ci. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, Patrick Kalala. Donc, vous qui nous suivez actuellement sur YouTube, par exemple, abonnez-vous sur Patrick Kalala. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez sur s'abonner, également sur la cloche de notification. Et je vous recommande de nous suivre de temps à autre sur YouTube. Il y a des sujets de prière qu'on présente, tels que le matin, aux environs de 6h30, heure des USA, heure de Chicago. Vous pouvez vous réveiller également, vous qui êtes en Amérique. Papa, moi je vais également commencer la journée avec le Seigneur à 6h30. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, aux alentours. Vous pouvez prier avec nous sur YouTube, sur la chaîne YouTube Patrick Kalala, dans l'émission Temps des prières agressives. Mais vous êtes en Europe là-bas, vous n'attendez pas. Donc pendant que l'émission sera en train de passer aux États-Unis à 12h30, Temps des prières agressives. En Europe, vous pouvez suivre sur YouTube à 12h30. Europe et Afrique, c'est à 12h30 pratiquement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez participer, n'est-ce pas, à l'émission Temps des prières agressives également, qu'on a adapté là-bas aux environs de 16 heures-là. Mais sur la page Facebook, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. On est là à partir de 23h30, heure de Chicago, heure des USA. Et Europe et Afrique, c'est 6h30, ça fait les dimanches matins. Donc aujourd'hui, par exemple, à partir de la nuit, si vous pouvez suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre. Même aux environs de 20h30, heure des USA, vous pouvez participer sur YouTube à l'émission La Prière, Temps des prières agressives. C'est pour votre édification. Donc, que les dieux tout-puissants vous bénissent. Dans l'entretemps, sur la chaîne YouTube Patrick Kalala, il y a également des émissions telles que l'Évangile au quotidien. C'est des émissions de 5 à 3 minutes. On parle des choses ayant trait à la vie sociale et ça édifie beaucoup de gens. Merci à vous tous qui m'encouragez. Vous qui m'appelez pour m'encourager, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi disponibles sur TikTok, Patrick Kalala officiel. Abonnez-vous à notre chaîne, on appelle ça comment, notre compte, hein, TikTok, Patrick Kalala officiel, en un mot, Patrick Kalala officiel. Abonnez-vous également pour votre édification. Quant à nous, nous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec vous très prochainement dans un nouveau numéro de l'émission Les Actes du Pasteur Kalala. Portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement.